Bonjour, aujourd'hui on va écouter du son. Toujours dans l'idée de faire des interviews, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire avec le micro de ma webcam. Donc elle est posée sur mon écran, c'est le son habituel que vous avez, c'est le son que vous entendez. Actuellement c'est enregistré avec ce micro-là. J'ai testé aussi le 7D Mark II, puisqu'il peut faire de la vidéo, il peut faire du son aussi. J'ai testé également un enregistreur Zoom H1. Et j'ai testé avec ou sans micro-cravate. C'est un petit micro-cravate SmartLav Plus. Donc on va écouter tout ça et on va voir ce que ça donne. Caméra de la webcam à 1 mètre. Caméra de la webcam à 2 mètres. Caméra de la webcam à 3 mètres. Donc là, c'est le son normal que vous avez dans les différentes vidéos que je fais, hein, puisque c'est le même micro. On voit que plus on s'éloigne, plus on perd du spectre de fréquence et même, je dirais, la voix d'une manière générale n'a pas un spectre de fréquence énorme. 7D Mark II à 1 mètre. 7D Mark II à 2 mètres. 7D Mark II à 3 mètres. 7D Mark II avec le micro Rode. Donc là, on voit que le son est plus clair, il y a moins de basses, mais il y a plus d'aigus. Sur la partie avec le micro Rode, ben, c'est évidemment meilleur. En plus, on n'entend plus les petits grincements que vous entendez dans les premiers cas. En fait, c'est l'autofocus. Donc, vaut mieux quand même mettre un micro. Enregistreur Zoom à 1 mètre. Enregistreur Zoom à 2 mètres. Enregistreur Zoom à 3 mètres. Enregistreur Zoom avec le micro cravate. Donc là, à 1 mètre, avec l'enregistreur Zoom, c'est très propre. Donc on peut très bien imaginer de le mettre sur un petit trépied, puisque j'ai acheté un petit trépied justement pour ça, sur une table, devant la personne qu'on interview. C'est bien aussi avec le micro-cravate, hein, il est fait pour, un peu grave peut-être, donc il faudra peut-être régler un peu les graves et les aigus là-dessus. Mais je dirais que c'est deux possibilités. Donc en conclusion, je dirais l'intervieweur qui va être à côté de l'appareil photo, il faut lui mettre un micro-cravate. Parce qu'on entend l'autofocus, il y a trop de bruit si on enregistre directement comme ça avec le 7D. Pour l'interviewer, on peut très bien imaginer donc d'utiliser soit l'enregistreur Zoom tout seul, soit l'enregistreur Zoom avec un micro-cravate. C'est ce qui me semble donner les meilleurs résultats. Voilà, j'espère que ça vous servira. Au revoir.